On se resserre. Unité, ramenez-vous ici. Rejoignez cette position. Vite, installez-la là. Paris, j'appelle ça. McCreary, en avant. Je bouge, sergent. Ok, on fonce là-bas maintenant. Rendez-vous les prises, vous savez que vous allez le faire. Jasper, on le rendra tout ce qu'on a. McCreary, frappez à grand coup. Pas sur l'ennemi. Sergent vide, j'ai besoin d'aide. Je suis prêt à court, vite. Panache, courez là-bas. Voici. Merci, sergent. On s'en retient, on fait très facilement. Panache, tirez sur cette position. Mon chargeur est vide. Je te couvre. Bloquez-vous là-bas. Restez baissés, on a de la compagnie. Ça ne nous mènera nulle part, mec. Continuez à tirer. Ils vont finir par craquer. McCreary, vite, allez là-bas. Vas-y. Attention, Baker, mettez-moi une. Jasper, c'est ça. Tuez-les. Panoc, attaquez cet MG-42. McCreary, feu! Piquez vos chargeurs sur eux! Panache, continuez à tirer! Vous feriez mieux de vous rendre! J'aimerais pas être à leur place quand tu viseras dans le vide! Resserrez la formation! Ramenez-vous! Je suis prêt, j'attends les ordres. Ils sont pas mieux, sergent! Bougez de là! Il me faut une meilleure position, Baker! Schmatz nicht! Schieß lieber! Yeah!
vous abandonniez tout de suite. On dirait qu'on les a tous eus. Tu l'as dit, mon vieux. En position. Allez, allez, allez. Vite, allez là-bas. Vite, installez-la là-bas. Pensez là-bas. J'y vais sur le champ. Laissez les baisser, c'est bon. C'est vite. Bougez maintenant. Artillerie, tirez. Déployez-la là-bas. On y va, les gars. Rejoignez cet abri. On se relève et on bouge. S'il y avait une logique à tout ça, ils auraient déjà perdu. Vous avez de la chance, sergent. McCleary, restez baissés et en avant. Vous avez entendu? Bougez-vous. Allez, allez. Jasper, je vais un tir nourri sur cette mitrailleuse. Ouvrez le feu sur cette position. Éliminez ces boches! Arrêtez pas de tirer!
Wie gefällt euch das, ihr Schweine? Je lance une grenade! Restez avec moi! Restons groupés! Mettez la mitrailleuse là-bas! Là-bas, vite! Installez-vous là! Cette position! Paddock, bougez maintenant! Activez! Je dirige vers cette position!
établir la communication radio. Bon, Paddock et Holden, vous restez en arrière pour établir la communication radio. McCreary, Dawson, Courtland, vous êtes avec Zanovich. McConnell, Roselli, vous suivez Campbell. On y va tous ensemble. Passe d'un pifeu sur cette mitrailleuse. C'est parti. Dawson, allez-y, ne vous arrêtez pas. C'est parti. Passe d'un pifeu sur cette mitrailleuse. Zanovich, on leur en va tous combat. Frappez un grand coup. Bon, c'est parti, donc de l'autre, tu les auras. Jasper, bougez. Dawson, par là. On va se dirige vers cette position. Jasper, détruisez cette mitrailleuse tout de suite. Dawson, continuez à tirer. Prenez ça, les flics. Il y en a peut-être qui se cachent. Suivez-moi. Allez, les gars. Allez-y maintenant. Éliminez ces boches! Je tire! Feu! Je vais devoir recharger! Couvrez-moi! J'y suis! J'en vois plus! Ça va, les gars? Restez là! Restez ici! Par juste ici. Là. Jasper, on dirait qu'on les a par tous là tués. Au paquet de merci. Je vais me faire ce petit salopard. Continuez à tirer. Ils vont finir par craquer. Jasper, Zanovich. Visez la MG-42.
C'est pas une partie de poker. Jasper, allez-y, ne vous arrêtez pas! Dawson! Allez-y, vite! Progression. Je me dirige vers cette position! Besoin de quelque chose de fort. J'ai besoin de vous ici et maintenant. Quel est l'imbécile qui a balancé des tirs d'artillerie dans tous les sens? On a failli se faire écraser sous un bâtiment! C'est pas Doc. Ah, oh, alors tout s'explique. Bon, ils se rassemblent autour d'une position solide de canons anti-chars au sud d'ici, là où la route fait une fourche. J'ai une colonne de chars qui doit arriver à 9h30, mais on pourra pas faire la liaison avec la 506ème tant que cet obstacle aura pas été dégagé. C'est pour nous. Je vous ai pas demandé de... Mac, j'ai dit qu'on s'en chargeait. Évidemment. Prenez au moins l'un des chars avec vous. Et bonne chance.
En ce mois de septembre glacial, 34 600 soldats alliés arrivèrent en Hollande pour se lancer dans l'opération Market Garden et faire avancer le front au-delà du Rhin, en Allemagne. Le 27 septembre, les attaques combinées du 506e et du 502e, dont les escouades de reconnaissance de la 101e faisaient partie, réussirent à repousser les Allemands de leur place forte à Kovering. C'est là que les hommes de la 101e apprirent que les forces britanniques d'Arnhem n'étaient plus en mesure de tenir face à la puissance des blindés allemands. Ils avaient tout fait pour attendre des renforts qui finalement n'arrivèrent pas. Les hommes de la 30e Corps, pris en embuscade, abattus, blessés et agonisants, ne réussirent pas à atteindre leur objectif. Finalement, les Alliés furent obligés de renoncer à prendre Arnhem, après avoir déjà enregistré 17 000 victimes en seulement 8 jours. Mais leur histoire n'allait pas s'arrêter là. Toujours pas de nouvelles de Hartsock? Non. Ça fait 4 jours, mais je crois que Holden a entendu dire que Corion... que ça allait, je crois. C'est une bonne chose. Ça fait bizarre de perdre, hein? Un peu. Si le 30e corps avait été là à temps... On serait toujours en train de suivre le plan insensé et solide d'un général insensé et solide. Montgomery a été trop gourmand. Quel est le problème? Je leur ai dit. Dis quoi? Pour les guettes. Ce qu'il a fait. Ce que moi j'ai fait. Matt! Je vous avais dit de jamais le faire! Je sais. Seulement quand... Vous devriez aller voir Red. Le médecin, Gideon, il veut vous parler. Alors, comment ça va? Matt, depuis le début, depuis le tout début, vous saviez exactement ce qui leur était arrivé. Sam. Tu sais quoi? Arrête avec ça. Arrête de prononcer mon nom stoïquement et d'agir comme ça. Pas maintenant. Matt, on ne combattra plus jamais ensemble. Je vous attendais, sergent. Je dois vous parler en privé. Comment va Red? C'est pour ça qu'il faut qu'on parle en privé. Il ne sait rien pour l'instant. Il a surtout passé les derniers jours à perdre et à reprendre conscience. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Eh bien, ses nerfs thoraciques ont subi un lourd traumatisme, notamment la partie inférieure. Cela fait partie de la moelle épinière. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Il est paralysé. Il ne le sait pas. Je voulais qu'il l'apprenne par quelqu'un en qui il a confiance. Lorsqu'il est conscient, c'est de vous qu'il parle, la plupart du temps. Tu as perdu beaucoup de monde en mon absence. Non. Qui m'a remplacé? Paddock, pour l'instant. Waouh! Paddock! Monsieur Tête Brûlée. Red. Il faut qu'on parle de quelque chose. Tout le monde va bien? J'ai su pour Fryer. Mais tous les autres, ils vont bien? Tout le monde va bien, mais... C'est de toi qu'il s'agit, vieux. Quoi? Seigneur. Tu rentres chez toi.
Tu rentres auprès d'Erma et de Carole. Et tu seras enfin père. Tu feras un père fantastique. Ce bâtiment, quand il s'est écroulé sur nous, Matt, tu ne remarcheras plus jamais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Regarde-moi. Rien. Tu entends ? Rien ne m'empêchera de te retrouver quand tout ça sera fini. Tu es mon meilleur ami, Red. Est-ce qu'aucun d'entre nous en valait la peine ? Oui. Au moins, toi, tu as appris quelque chose. Comment il va ? Zano, pas maintenant. Tiens, ça me rappelle quelque chose. On dirait que nous avons plus en commun que ce qu'on aurait pu croire au départ. Matt Baker, l'indestructible, en est réduit à pleurer la perte d'un ami. C'est pas pareil. Pas facile à avaler, hein? Oh si, c'est exactement pareil. On se tient droit, mais nos jambes cèdent sous le poids de notre propre culpabilité. L'histoire se répète. Je suis toujours en vie. Je n'en dirai pas autant de vous. Vraiment? Il n'y a pas grand-chose à dire de moi, Matthew. J'étais faible et fragile, et j'ai été détruit par un secret que vous m'avez dit de garder. Je vous protégeais. Une protection comme celle que vous avez offerte à Frankie. Il avait confiance en vous, Matthew. Comme les autres. Mais les autres ne sont plus là non plus. Que vaut votre protection exactement ? Ça suffit. Pitié. Ce n'est pas vous qui décidez de l'arrêt. La route est encore longue. Dites-moi, Matthew, vous avez réussi à traverser l'enfer. Que pensez-vous de la neige ? J'en fais mon affaire. Où vous allez avec cette foutue arme ? Une puissance divine ne vous a pas déjà donné la réponse ? Eh ben, je crois que vous devriez ralentir. Impossible, j'ai du monde à voir. Tout le monde me tombe dessus, allons-y ! Cela fait 10 jours. Et il n'y a pas un seul homme parmi nous qui n'ait pas donné tout ce qu'il avait. Certains ont donné plus que ça. Nous avons perdu Frankie, Fryer et Marsh. Et Red. L'effondrement lui a brisé une partie du dos et l'a paralysé. Il ne remarchera jamais, mais il peut encore parler. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a demandé si aucun d'entre nous en valait la peine. Nous avons tous fait des erreurs. Nous nous sommes tous demandé ce que nous faisions là. Et le prix du combat est lourd à porter pour chacun de nous, surtout face à la défaite. Et je ne bats pas en retraite. Je reste aux côtés de chacun d'entre vous. Je reste ici et je n'en bougerai pas. Et je nous conduirai jusqu'à Berlin si on nous le demandait, et on le fera sûrement. Et je sais que certains d'entre vous ne me font pas confiance en ce moment. Certains d'entre vous s'accrochent à la superstition. Je ne veux plus de ça. Je sais que nous croyons devoir blâmer quelque chose. Mais ce n'est qu'un pistolet. Voilà. Nous sommes tous là, frères, pères, saints et pêcheurs. Gardons notre acharnement pour les Allemands. Ben merde. Si vous vous mettez à faire des grandes phrases... Impossible. Qu'est-ce qui fait un bon soldat ? Sa tête ? Ou son cœur ?